Oh là là, il pleut tant que ça peut. C'est vrai. Bah, c'est pas étonnant, oui. Il pleut. T'entends la pluie? Non, j'entends un portable. J'ai un super... Il y a quelqu'un sous le lit. Il y a quelqu'un sous le lit. C'est lié à Valdaquin. Non, mais c'est bon, c'est pas grave. Oui. Non, c'est pas grave. Oui, alors le fait... Tout le monde est vachement impressionné que tu sois là, tu vois, aussi. Pourquoi? La jeune génération, que Claude Riche soit là en fille. Ça m'amuse beaucoup de travailler avec la... une génération plus jeune, ça m'est déjà arrivé. Mais ça ne m'empêche pas d'être intimidé aussi par eux. Je suis étonné par Denis qui arrive à cesser ce rôle fleuve qu'il a pour prendre des livres, des poésies de Max Jacob. Et il lâche ça, il reprend, et puis entre les scènes, avec d'autres, il lit des pièces, une pièce Louison Louison de Fred de Musset, oui. Alors il joue la comédie, entre la comédie, il s'arrête de jouer la comédie pour en jouer une autre. Ça, j'en suis incapable, moi. Je suis braqué sur une phrase depuis le début de la journée en me disant dès que ça va être à moi de tourner, je vais la dire de travers, ce qui arrive quelquefois. Bruno est toujours détendu, il s'amuse, il aime ça. Allez, vas-y, on recommence, on va attendre, et c'est comme ça, et c'est comme ça. Et moi, avec lui, on a l'impression de faire un peu du sur-mesure. On fait des choses que... avec l'intonation qui serait juste si on arrive à la faire. Oui. Je n'arrive pas trop parce que j'ai une moustache qui n'est pas la mienne. Tu as dû t'en apercevoir. Voilà, autrement, on mène la vie de château, que ce soit pendant le tournage ou en dehors du tournage. Scali et moi, on joue les deux, on s'amuse à jouer au couple. Alors on a nos scènes. Il me dit que depuis le temps que je lui ai dit que j'allais me séparer de Catherine Rich pour aller avec lui, et que vraiment, on ne peut pas avoir confiance, et que ça lui gâche ce film, qu'il est très déçu. Et moi je lui jure que je ne lui ai jamais juré ça. Mais enfin, il me certifie que dans certains moments de folie folle, je l'ai fait. Alors, tu vois, on arrive à parler de choses très intelligentes et en tout cas, à s'amuser beaucoup. Autrement, c'est vrai que on n'est jamais... Je disais, quand j'ai commencé dans ce métier, à des grandes actrices comme Gabrielle Dorsia, comme Alice Cossea, je leur disais, mais c'est merveilleux, vous ne devez plus avoir le trac. Oh, elles m'ont dit, mon petit, si tu savais, plus ça va, plus on a le trac. J'ai dit, comment? Mais oui, parce qu'on n'a plus les nerfs qu'on avait. Et là, oui. C'est peut-être ça aussi, c'est que avant, on se souvient des choses, elles sont incrustées, on a tout ça, c'est encore plein de vide où tout peut rentrer et s'accrocher. Là, c'est pas que j'ai moins de mémoire quoi, qu'avant, mais les choses m'atteignent plus. C'est-à-dire que j'arrive pas à prendre au sérieux que je suis un monsieur plus âgé et que j'ai plus d'expérience, mais que j'ai eu des choses qui ont eu... j'ai joué dans des films qui ont eu du succès, et puis j'ai aussi joué dans des films qui n'en ont pas eu. Je suis quelqu'un qui a fait un parcours, que j'ai essayé le mieux possible, mais c'est pas pour ça que j'arrive à croire que j'ai gagné quelque chose. Je suis toujours un combattant
comme si j'avais 18 ans, quoi. Mmh. Je combats et j'ai l'impression que la quille, les autres peut-être en ont quelque chose en eux, mais moi, mon acquis, je suis quelqu'un qui sait maintenant bien tourner un pied de chaise, si tu veux, si j'étais ébéniste. Mais ça n'empêche que si je suis bien, je tournerai très bien. Et puis tout d'un coup, un jour, quelque chose se passera mal et je ne saurai même plus tourner mon pied de chaise. Je me dis ça, Alzheimer de la chaise. C'est-à-dire que tout d'un coup, tu ne sais plus ce que c'est qu'un bout de bois, ni qu'une chaise, ni que... Il n'y a rien. Tu ne sais plus rien. Heureusement, parce que tu ne sais pas ce qui t'attend. Oui. Madame. Et tout d'un coup, je me dis, dans quelques jours, je vais avoir fini. Et qu'est-ce que ça va être dur? Parce que tout d'un coup, cette aventure merveilleuse que nous avons passée pendant 2 mois à être des personnages d'un petit rêve comme ça. Et puis un beau jour, ça va s'arrêter. Et on va passer à notre rêve. Il y a des rêves plus excitants que d'autres. Je ne m'amuse que dans l'imaginaire ou la création. Le concret m'ennuie beaucoup, mais j'arrive à y échapper. Il doit me rester 4-5 jours. Donc tu seras là à la fin. Oui, bien sûr. Puisque je suis là au début. Oui, oui. Puisque c'est la fin, c'est le début. Comme ma vie, quoi. Début de la fin, la vieillesse. Merci Claude. Merci beaucoup. C'est moi. Non, c'est moi. Merci à tous. Là, c'est la première image de Claude en costume de juge pendant la préparation. Sur les 5 chapeaux proposés, c'était un jeu. Il a tout de suite choisi celui du film qui lui allait si bien, et Dorothée et Patricia étaient contentes, saisissant comme on peut saisir son personnage d'un coup de chapeau. Non, c'est moi qui te...